Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle aventure. Et oui, parce qu'on a fini le jeu avec Yuito, mais maintenant il faut le faire avec Kazané pour avoir son point de vue, pour avoir des informations différentes, pour avoir des trames et des choses différentes aussi. Donc, bien évidemment, si vous êtes sur YouTube notamment et que vous voyez cette VOD en premier, dites-vous que du coup il y a des risques de spoil parce que forcément je vais faire un parallèle avec l'autre histoire. Donc je vous conseille de d'abord regarder l'histoire avec Yuito, puis de regarder celle avec Kazané. Alors on va peut-être partir en New Game Plus si c'est possible, je ne sais pas. Avec un, vous pouvez commencer une nouvelle aventure en conservant le niveau atteint lors de... Ouais, mais je me dis, ça sera peut-être l'histoire de Yuito, du coup. Commencer en conservant les données de cette sauvegarde. Ah, ça c'est le problème, c'est que c'est avec Yuito, donc non, je dois faire une nouvelle partie. Avec donc, bien évidemment... Kazané, on la connaît, mais bon, petit rappel, enrôlée par la BEA, elle a rejoint l'élite de l'académie en obtenant les meilleures notes de sa classe, calme, terre-à-terre et peu sociable, elle ne se confie qu'à sa sœur adoptive, Naomi. C'est pas écrit, mais on le sait. Elle lui est très loyale et ferait n'importe quoi pour elle. Elle combat à distance en combinant attaques tranchantes et capacités de psychokinésie. Donc c'est parti. On aura beaucoup de choses différentes, notamment au début. Du coup, forcément un peu moins à la fin, vu que les persos étaient réunis. Mais on pourra aussi avoir des points de vue différents, par exemple. Even now, after all these years, I still wait. Come on already. Stretch those red strings out to me and finish this. Bon, on sait qui c'est, hein, mais... The world is out of time. You need to kill me if there's going to be anything left worth saving. Évidemment, si vous n'avez pas compris qui c'était, eh bien, je ne dirai rien. Voilà. Par contre, si je vais faire un truc avant que ça démarre, c'est je vais me mettre en ne pas déranger, comme ça, je vais me tranquille. Il n'y aura pas de notif Steam. Systems all green. Beginning SAS cable connection. I'm okay. We can do this. Allez, GG, elle a réussi à tenir. Yamete. So this is the pain of SAS. This is fine. I can handle it. Good. Seems like you're okay. This aptitude test will determine your platoon assignment. Do your best. Yes, sir. Et c'est parti dans la simulation tuto. Kasane Randall, identity confirmed. The other suppression force aptitude test will now begin. Allez. Exterminate all others. Bon, l'avantage c'est qu'on sait comment on joue, hein. On connaît déjà les touches. Alors même si ça fait une semaine quasiment que j'ai pas joué, donc. This test will decide my assignment. I hope I'm in the same platoon as Naomi. Thinking about it now won't do me any good. Si j'ai pas le double saut. I have to focus. Oh non. I should be able to complete the assignment as long as I'm calm. Oh non, j'ai pas de double saut.
Forcément une seule pouvoir. C'est parti en speedrun, hein. Je vous préviens. Ouais, je l'ai déjà buté en fait. Ah non. C'est bon. Là, on va pouvoir utiliser ses armes et c'est surtout ça qui change. C'est des genres de couteaux, ouais, c'est ça. Ok, nickel. Ah, il faut switcher, hop, c'est bon. Oh, les trucs qui volent. Hein. C'est vraiment mon point faible. Et ça fait quoi son animation? Ok. Ah, c'est un coup de pied qu'elle donne quand elle fait une attaque aérienne. Ok, nickel. Ah, j'essaye de rush autant que possible. Enfin, l'attaque avec Y, ouais. Ça va être comme machin. Ah, pas tout à fait. Légère différence. Ah, petite dubstep là qui fait plaisir. Ça. Ah, ouf, son aptitude avec Y du coup. Après, là le plus dur en fait ça va être de repartir avec un personnage sans amélioration. C'est ça le plus dur. Hop, la totale. La petite voiture. On enchaîne. Ah, c'est bon, ok. Il y a un gros, non? Ouais, voilà. Bon, l'avantage. Ah, alors forcément, ça sera pas comme avec le lance-flamme, ça c'est sûr. Oh oui, dans le... Ah oui, mais il a pas de... Il n'y a pas encore de barre de stun aussi. Bon, allez. Hop. J'ai été beaucoup plus rapide que quand j'avais fait avec Yuito, forcément, hein, je connais déjà le jeu. Et je suis content parce que j'avais failli crever avec Yuito. Là, je suis full life, j'ai pas pris un coup. Your training. You're an official member of the OSF from tomorrow. Cadets now have 24 hours of free time until then. Make sure to get some rest before your duties tomorrow. Understood. Et je trouve ça cool parce que du coup ça marche même dans le lore du jeu. Parce que Yuito c'était une jeune recrue machin et tout. Elle c'est censée être quand même une meuf qui a eu que des bonnes notes, machin, un peu. Voilà, un peu l'élite de sa classe, on va dire. Donc je trouve que ça marche bien du coup le tuto que j'ai complètement. Enfin j'ai complètement roulé sur le tuto. So how was the test? Pretty easy as usual. How about you? Naomi Randall. I was able to handle an actual SAS connection thanks to your advice. You have a lot of potential. You should be more confident. I'm just glad you were so calm. You said that you had that dream again. The dream about red strings.
You've been having that dream since you were little. Yes. Don't take your hands off the red strings. I wonder if it has something to do with your power. I don't think it does from what I saw of the OSF's analysis of my power. Worrying about things we don't understand won't change anything. I'm more worried about you. I hope they put us in the same unit. Yeah, me too. I bet we'll find out soon, though. People tend to misunderstand you, so I'd be worried if I weren't around to look after you. Look who's talking. You're so clumsy, I have to stick around to protect you from yourself. That's so mean! Hey, aren't we going to Sumeragi Tomb after this? Oh yeah! They're doing a collaboration with Baki right now. You get a keychain with every fortune. I can't wait. You really like Baki, don't you? Of course I do. He's so cute. Come on, let's go. C'est le limite le même début qu'avec Yuito. C'est pareil. Ils veulent aller là-bas. Now that we can use brain talk, I feel like it's all we do. We don't have to worry about anyone listening in, and we can hear even if it's noisy. It's nice. You're right. I even talk to myself in brain talk sometimes. Don't laugh if you hear me, okay? Alors, le problème c'est que du coup, je repars avec zéro stuff, donc il va falloir un petit peu ramasser des choses. Alors, je sais que j'ai un message cérébral, je ramasse juste les petits items avant. On va évidemment faire aucune quête secondaire, parce qu'on avait vu que c'était de la merde. À part si vraiment, enfin si, les trucs que je... comment dire, ça va passer là. Les trucs que je peux faire sur la route, quoi, mais on va pas exclusivement faire un truc. Alors, message machin. Le sac, le système d'aide au combat, la douleur qu'on ressent quand le cap virtuel se connecte à nos cerveaux est plus intense que ce que je pensais. Tu es sûr que ça va, Kazane? Si ça fait mal, promets-moi de me le dire. C'est gentil de t'inquiéter. Pour moi, c'est un procédé qui permet de transférer suffisamment de données pour emprunter un pouvoir. Emprunter. C'est normal que ce soit éprouvant. Mais je te le promets, et n'en fais pas trop, toi non plus, Naomi. Merci pour votre fidélité, les objets... Oui, donc ça c'est pour me dire que j'ai les items de précommande. Ils sont... Ah non, je les ai déjà sur moi. Ah non, 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 non. Les bêtises, faut que je les récupère ici. Donc, bien évidemment, les baki, les tenues, le truc facial et la trappe rêve moche, bien évidemment. On va donc tout de suite équipement. Ah, j'ai rien. Visuel. Du coup, on va lui mettre ça pour montrer que c'est le personnage principal. On l'avait fait. Pour Yuito, donc ça va être la même. Et là, quelle est la couleur qui match le mieux? En fait, c'est un mélange entre ça et ça, quoi. On va dire ça. Noir. Hop. Allez, petite sauvegarde. Du coup, sauvegarde que je vais faire en dessous. Regardez nos trucs avec Yuito au-dessus. Juste aller chercher l'item qui est là-bas en face. Et il y en a un aussi sur le pont. Je l'ai vu. Attendez quoi? Heureusement qu'ils sont indiqués sur la minimap, hein, parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Des petites gelées allégées qui me permettront de me soigner, bien évidemment. En vrai, ce que je me disais, c'est que ce jeu à speedrunner doit être assez rapide. Dans le sens où il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps de dialogue et tout ça. Et donc, si on les bypass, ça diminue drastiquement le temps de jeu, quoi. On fait pas tout ce qui est relations et tout. Ou alors, bah après, en speedrun, on peut juste faire les trucs de relations. On peut les faire et skip les dialogues, par exemple, ou quoi. Donc, je pense que c'est un jeu qui peut être speedrunné malgré le temps de jeu quand même assez long de base du jeu. Et en skippant tout, ça peut le faire.
There are a lot of people here. Well, the holidays just ended, and this is the Founding Father Yakumo Sumeragi's tomb. Wait, the collaboration event with Baki is at a gravesite? I think the country is trying to make Yakumo Sumeragi feel more like a familiar figure to us. Though people already pray to Yakumo like a god, so maybe they're familiar enough with him already. Yakumo, the hero who saved humanity. I think I saw him in one of my textbooks. He was wearing a mask. His face was injured during the Spring of Extinction. He's also the chairman's ancestor. That reminds me, I heard someone from the Sumeragi family is in our class. So? Anyway, I found where we can draw our fortune. My fortune is a really good one. I'm starting to feel better about my life in the OSF. What about you? Mine is horrible. Okay, then give me your fortune. Hey! Here, you can have my good fortune. You didn't have to do that. It's just a scrap of paper. I'm the big sister here. I just want to protect you from bad luck. Thank you. No problem. You know, on days like this, you could almost forget there are vicious others out there. Yes, but we live in a world where these others roam freely outside the city walls. The instructors are expecting a lot from you. They're sure you'll reach a rank near Septentrion in no time at all. I don't care about rank. I just want to protect you. Honestly, what did I just say? I'm your big sister. I'm the one who's going to be protecting you. Of course. Hey, I mean it. Ah. What is it? Des visages familiers. Oh, it's nothing. I was just thinking that the boy on the right was kind of cute. Really? They both look like they were OSF members. You might get a chance to talk to him when we get in. You think so? That would be nice. Anyway, we got the Baki keychain we came for. Want to get a bite somewhere? Yes. Let's look for a cafe. D'ailleurs, je peux faire le parallèle parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes de l'anime. On s'en fout, c'est l'archiviste. Et dans l'anime, ça se passe pas comme ça. C'est les quatre se croisent et ils ont tous une mauvaise fortune, sauf Naomi, qui a un message de bonne fortune. Et en fait, elle prend tous les papiers et elle les lit ensemble. Elle fait un nœud sur une barrière, un truc du genre. Donc, et puis même l'épisode après, enfin le truc après avec la capture de drapeau, par exemple, les équipes sont pas les mêmes dans l'anime. Il y a quand même des petites différences, donc c'est sympa. J'aurais jamais imaginé que je puisse être enrôlé un jour, mais maintenant on fait officiellement partie de la BEA. L'entraînement était très difficile, je pensais vraiment avoir échoué à l'examen final. Si tu n'avais pas été là, Kazane, j'aurais abandonné depuis longtemps. Merci de m'avoir autant soutenu, on va continuer à faire de notre mieux, Kazane. Ça marche. On doit aller par là. Bon, je sais qu'il y aura l'attaque, mais je sais plus exactement dans quelles conditions ça se présente. Ok, ouais, c'est juste comme ça. Huh? Others? An other alert? But today's other forecast said that there was no threat in this part of Suo. Cette scène-là, elle est trop stylée. A transfer warning. They're deploying the Scarlet Guardians. Et notamment Karen et Fubuki. Septentrion Karen and Fubuki.
Et là, c'est marrant parce qu'on voit les 7 du Septentrion, alors que... En vrai, on en connaît que... 4 3 It's the Septentrions. The Major Generals Karin Travers and Fubuki Spring. Karin Regiment, Fubuki Regiment. Plan A, roll out. Civilians, head to the shelter. They're Septentrions, so we should let them handle this. Let's get to the shelter. Oh, right. Let's hurry. Let's hurry. Allez, soyons de bons citoyens. Suivons les... la populace, la plèbe. First class, brain eater Major General Karin Travers is amazing. Brain eater? So he eats brains like those others? No, his power copies the powers of other psionics. That's why he can use so many different powers. The other is fighting back, but Major General Travers is unfazed. Major General Spring freezes the other without hesitation. These Septentrions are amazing. This isn't the time to be watching TV. We have to evacuate. En Soudan. Somebody help! Look out! It's too dangerous. We're not real OSF yet. We can't just leave that person to die. We're the only ones here with the powers to fight others. If you want to save her, then let me do it. I'm going too. Fine. You take the right, I'll take the left. Got it. Évidemment, on prend la gauche. Ah, les petites esquives parfaites là. Ah, j'ai déjà fait le jeu, moi. Just be careful. Don't push yourself too hard. Ah, j'ai pris un coup. Yeah, oh non. I know, but there are a lot of others. Some people won't be able to get away. Right. Okay. Let's buy them some time. Oh, c'est mou du genou, hein. Aïe. On n'a pas 50 000 améliorations. Très vite limité. It's not safe here. Please, hurry to the shelter. Yes, ma'am. Thank you. Je sais pas si elle a les mêmes améliorations du coup. You ready? Yes. We have to make sure no one else gets hurt. Let's eradicate it. Ouais, c'est des objets. Non, ça devrait aller. Alors, non, pas ceux qui mettent de l'huile. Aïe, 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 c'est pas grave. Non. Bon, ok. J'ai eu. Le vélo. Pas grave. Voilà. Bon, pour l'instant je préfère l'épée quand même de Yuito. Je suis censé vers quoi? Ah, je suis censé aller par là, ok. Sumeragi tomb. Ten seconds from now. Yeah, they're in trouble. Even I can tell. On va les sauver. J'aurais pu utiliser son pouvoir, Kazané. You take care of the guy who got knocked down just now. I can handle that other alone. Got it. Huh?
À plus. That's odd. You a civilian? Huh? It's her. Oh. You're OSF? Oh, no, I'm a cadet. I see. Either way, our goal is the same. What do you mean, goal? Are you an idiot? Shh. Something's coming. Huh? What's coming? Huh. Here we go. Huh? Okay. Oula, je vais peut-être avoir besoin de me soigner, moi. Ouais. Alors, Yuito. You're OSF too. You can use brain talk. Do you see what's happening? Let's talk after we take out the others. Boum! Oula, j'esquive. Aïe. Ouais, je l'ai vu venir, mais... Oh, mais quel enfer! C'est vrai qu'au début, on pouvait pas facilement... esquiver... Enfin, se relever, plutôt. Un petit peu. Esquive. Assez d'énergie. Allez, il est mort. Oh, c'est mou du genou. C'est compliqué. Good work. That should take care of all the other readings around here. Yes. Kasane, I saved that boy. Nagi, you're okay. Yeah, Naomi saved me. Man, I must look like an idiot. I'm just glad you're not hurt. Thanks, sis. Oh, you two are sisters? Yeah, they're both OSF cadets like us. Let me introduce myself. I'm Nagi Carmen. This is Yuito Sumeragi. Sumeragi? I'm Naomi. Naomi Randall. This is my younger sister, Kasane Randall. Arashi. So it was you making all that trouble. Membre du peloton, ouais, non, donc elle est pas dans le septentrion, elle. J'avais un doute. The Scarlet Guardians have eradicated the others. Huh? You saved Ryujin Ward in that amazing victory over the others. What? Well, what is this? A victory interview? It is. How do you feel? What? We should be able to talk here. What's going on? I'm Luca Travers. You're Septentrion 6th class Luca Travers? It's embarrassing when you put it that way. But on yes, connaît le 1, 2 et le 6, 7. Are you all cadets? Please open your personal ports so I can confirm your identities. On connaît Karen et Fubuki, on connaît Luca et Seto. Bon, on connaît pas les trois autres du coup du septentrion. So all four of you are OSF cadets. Cadets aren't allowed to fight others. I'm sorry. Isn't OSF responsible for allowing others to enter the local airspace and putting civilians in danger? Hello, la Camargue. You shouldn't say something like that. Those are some harsh words. Comment vas-tu? But you're right, Cadet Kasane Randall. I'm sure you all have something to say, but first report to OSF headquarters. Keep away from the press. Got it? Understood. What's that? Oh, casualties from the battle.
two OSF troopers on guard duty were killed. I think it's censored, but it's best not to look too close. Huh? Why? Because others eat human brains. Yes. Looking at headless bodies can have negative lasting effects on your mental health. Oh, I just imagined it. They should teleport or port them out. It's too far. Ça va bien, moi. Powers aren't omnipotent. We have time, so let's talk a little. Est-ce que tu connais le jeu? But one person can only use one type of power. But each kind of power has peculiarities and aptitude. Just as there are types of powers, each person has strengths and weaknesses. To use them in combat, we must rely on devices to lessen the stress on the brain. That's why things that can be accomplished without powers, or things with low priority, are done manually. Right, sorry. Now then, I'll be going. That'd be us if we didn't get the others first. I wouldn't let that happen. We're all 567th class, right? We'll stick together and become great fighters. Yeah. Don't worry. I'll protect you, sis. Let's go. Oh, goodbye, Yuito. Nagi. What's wrong? Why didn't we go with them to headquarters? Because we can't. Those two are nothing but trouble. We should stay away from them. But... Are you interested in that Yuito guy? Well, I did think he was cute when I saw him at Tsumeragi Tomb. I see. Then I'll check him out. Stay away from him until then. Check him? He's a Tsumeragi. Tsumeragi? You know, the chairman of the council. Oh, so he's the chairman's son. That will make him easy to check out. Kasane... You don't pay enough attention to things, so let me do this. Let's go back to headquarters for now. Oh, wait. Your hair clip is crooked. Huh? Let me fix this for you. There. That's better. Thanks. No, thank you for putting it on. I know you don't really like things like this. I like anything you make for me. This shows that we're sisters, right? Yeah. It's just for the two of us. You better take good care of it. Alors oui, je voudrais me l'acheter bientôt, il a l'air vraiment plaisant et j'aime les mangas. Ben, sache qu'il est très plaisant et très sympathique, très dynamique et tout ça. Et par contre, faut aimer écouter les gens parler parce que ça discute pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire ouais, je sais pas si t'es au courant du coup, mais il y a deux personnages jouables. Et en fait, les deux personnages ont... En fait, il y a une trame commune, mais il y a quand même beaucoup de moments où chacun est de son côté. Du coup, j'ai déjà fait le morceau d'histoire avec Yuito, ici présent. Et donc là, je refais le jeu, mais avec Kasane, donc qui est le deuxième personnage. Je conseille de le faire dans cet ordre-là, mais on est obligé. Bien évidemment. Petite sauvegarde. Mais il est très très cool. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le jeu, en fait, au final, est mou au début. Mais au fur et à mesure... Ah, c'est pas le même arbre, ok. Quoique... Non, c'est pas le même arbre. Le jeu est plus mou au début, et en fait, au fur et à mesure, bah, comme tu débloques plein de compétences, ça devient de plus en plus... riche, on va dire, au niveau du gameplay. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais débloquer le double saut. Et je débloquerai ça pour se remettre sur pied rapidement. Et ensuite, il faudrait que je trouve le truc qui augmente l'XP. Tac, ouais. C'est pas mieux. Ok, bon, j'essaierai de partir de ce côté-là après. Pour justement ouais, essayer de choper les trucs d'XP pour aller plus vite. Vu que je pense pouvoir me débrouiller sans un tas de compétences. C'est vrai que j'ai des messages. J'ai complètement ignoré. Je savais déjà que les autres se nourrissaient de cerveau humain, mais y assister, c'est vraiment horrible. Prions pour les gens qui n'ont pas survécu. J'avais vraiment jamais.
Je n'y avais jamais vraiment réfléchi dans la mesure où c'est le gouvernement qui décide de ce qu'on peut voir ou non. Si j'avais vu ces corps de mes propres yeux, j'aurais... Non, je ne dois pas dire ça. Il faut que je me contienne. Mon travail aujourd'hui, je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été là, toutes les deux. Merci sincèrement. Yuito, merci pour ton message, ça n'a pas été facile aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. J'espère juste que ce sera plus simple demain. Tu as bien raison, Naomi. Merci beaucoup pour tout à l'heure. C'est moi qui te protégerai la prochaine fois. Pas la peine, c'est moi qui me chargerai de protéger Naomi. Tu es plutôt maigrichon, je te conseille d'aller t'entraîner. Oula, oula, calmez-vous. C'est pas la devise de Baki, ça, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Et Naomi, tu es fan de Baki, toi aussi? Moi, je l'adore. Yo, et toi, tu aimes Baki, toi aussi? Ça me fait tellement plaisir. Oui, les répliques de Baki sont toujours très inspirées. Sont toujours très inspirées, tu ne trouves pas? Quand on voit un sourire, c'est que le bonheur n'est pas loin. En plus d'être trop mignon, Baki nous rend plus fort. Je trouve ça génial. Je vais pour tenir la chandelle ou quoi? Alors toi aussi tu aimes Baki, Yuito, c'est super, je m'en souviendrai. Okay. C'est vrai, il est long au début, mais il est important de comprendre l'histoire et le gameplay. Ah oui, oui, non, mais c'est même pas ça que je parle, c'est qu'en fait, tu vois, au début du jeu, si tu tombes au sol, tu peux pas te relever vite, t'as pas de double saut, tu peux pas faire des enchaînements très poussés. C'est au fur et à mesure que tu débloques des compétences, ce qui est logique. Mais du coup, bah, moi qui ai fini le jeu la semaine passée, c'est compliqué, tu vois, je suis juste avec des commandes basiques et un peu frustrant. That was an amazing fight against those others. Huh? Just ignore them. Let's go. You're still just cadets, weren't you afraid? Your father is the CEO of Randall Industries. Was it his idea for you to become cadets? Kazane qui suit les ordres, qui était de ne pas répondre. Talk about femme fatales right here. You. You're that Kasane Randall. Oh, pas lui. So what if I am? Kasane, don't be so cross. Ah, come on, Shiden. That's not how you make friends. Je le déteste, Shiden. Captain Seto? I wasn't... First things first, I need to take care of this right now. You're cadets Naomi and Kasane Randall, right? I'm Seto Narukami, 2nd Regiment, 8th Platoon. Septentrion 7th Class, Captain Seto Narukami? Hmm? Oh, you've heard of me. Yeah, that's what they call me. The Chief Sumeragi has asked to see both of you. Hurry to his office immediately. Chief Sumeragi? Is he related to Yuito Sumeragi? He's Yuito's older brother. Oh, right. You fought alongside Yuito Sumeragi. I'm sure you'll quickly come to realize that the chief is stricter than his little brother. He's probably gonna chew you out for fighting without orders while cadets. But getting yelled at's part of your job. You'll be fine. I think you did a good job, though. C'est tôt, le gars sûr. Ah oui, bon là c'est l'intro finalement, le générique là. Je vais laisser un petit peu le son par contre. Ça crie fort. Et d'ailleurs la Camargue, je ne sais pas si tu as... Ça spoil l'histoire du coup, voilà, mais il y a un animé. Il y a déjà deux épisodes sortis sur YouTube. Mais ça représente les chapitres du jeu, donc après il y a des légères différences, mais bon, ça spoil. Ah, les DMCA, tout ça. Parce que là, je sens que cette musique n'est pas très libre de droit, bien évidemment. Ça, pour le coup, c'est des extraits de l'anime. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Eh bien, bien évidemment.
tu peux la trouver soit sous le stream, soit tu fais point d'exclamation YouTube. Elle a 10 ans ma chaîne YouTube, donc oui. Si tu veux par exemple, bah non, tu vas pas te spoiler. Mais bon, si tu veux regarder des morceaux de Let's Play de l'histoire avec Yuito par exemple, bah tu peux retrouver tout en rediff sur YouTube.